Ok, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 3. La dernière fois on s'était arrêté sur le Let's Play sur la vallée de l'Outback. Donc on est parti pour continuer là où on s'était arrêté. Alors, je vais peut-être changer de véhicule. Faites Je crois demi-tour là je me suis dès que monté un possible. Polaris. Ouais, exact. Le petit Polaris qui va bien. Le petit buggy. Ok, le rembobinage. Faut que je voie de nouveau comment ça se passe au niveau des touches parce que je suis au volant. Ok, c'est là le changement de vue. Est-ce que j'ai toujours l'embrayage? Non, je vais aller mettre ça de suite. Une difficulté. Manuel avec l'embrayage. ABS actif. Habile. On est bon. On est bon. Ah, je l'ai amélioré le Polaris parce que le Polaris À d'origine, je 200 crois le mètres, buggy là, il tournez à trace droite. grand max à 100 km/h. Il n'y a pas de Tournez à vitesse, c'est un droite. automatique. Et donc pour se balader sur la map, c'est pas le top. Donc je l'ai monté un peu histoire de m'éclater. Ok. On va faire l'event là-bas en mode drift. 173, Faites demi-tour 178. dès que possible. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le mode drift. Qu'est-ce que ça va donner avec ça? Là, je vais reprendre à l'autre bout. Ok, on y est. Un petit demi-tour. On va voir combien je score. Faites demi-tour dès que possible. Non! Faut qu'il vienne en face lui. Peut-être répartir un peu plus le freinage à l'arrière. 5000 points. Ok, on est bon. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Faites demi-tour dès que possible. Qu'est-ce qu'on a de beau? On découvrira ensemble s'il y a des autres trésors de grange. Bien sûr, je les laisserai. Je ferai aussi une vidéo sur laquelle je les mettrai uniquement les trésors de grange. Mais je pense qu'on va en trouver. Plein de remises voyage. Allez, on va voir là. Faites demi-tour dès que possible. À 400 J'ai bien mètres, envie de me tournez monter à une petite droite. Ford Focus RS en 4 roues. Histoire de drifter comme il faut avec le volant. Ça peut peut-être bien donner. Je ferai de toute façon des quelques vidéos avec les réglages prédéfinis pour le drift. Je ferai des sessions drift comme ça en mode libre quoi, en mode balade, histoire de vous montrer comment ça se passe. Vous avez atteint votre destination. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'il nous propose? Exhibition Rivo. Rivo. Classe B, ils ont quoi? Je vais prendre la soupe que je me suis montée. Une soupe dans l'outback, sur la terre, il n'y a rien de mieux. 4 roues. Route découverte, j'en suis encore loin de la fin. Allez, balance. Allez, c'est parti. J'ai failli la perdre. L'autre, il a tapé le mur, le fantôme, le rival. Dommage, j'ai pas le frein à main. Dommage, dommage. Ah, elle passe bien. Franchement, elle passe bien. À 4 roues sur la terre, ça passe bien dans Forza Horizon. Au volant. Ah ouais, il me grille, d'accord. Chercher le grip alors. Je vais pas me griller, ça je te le dis. C'est clair et net. Allez, envoie, envoie.
On est bon, on est bon. Ah, c'est là qu'il manque le frein à main. C'est là qu'il manque. Je l'ai pas équipé, je crois. J'ai juste installé le schnorkel juste pour faire design comme ça, pour faire genre safari. Mais même d'origine comme ça, elle rend bien. Est-ce que je l'ai passé? Ouais, je l'ai passé. Non, le frein à main. Le frein à main. Et j'ai pas le rembobinage. Si, je l'ai. Je l'ai. Non. Ok, on va rembobiner tout ça. Allez, allez, allez. Et je fais un tout droit. C'était affreux. Allez, on reprend là. Là, le freinage trop important. Normalement la soupe on la pose pas comme ça dans les tours. Rien à foutre. À fond. Allez. Et le passage de gué. Ok. Petite carte d'adhérence normale. Voilà, c'est bon, on est bon. Moins 2 secondes. Ah d'accord, il a envoyé du lourd le VS, le concurrent. Allez, on voit les crédits. Faudra que je teste aussi le drone, histoire de voir comment ça se passe. Apparemment, ils disent quand j'ai débloqué les points bonus. Ok, un tirage. Les points bonus, ça disait qu'on pouvait utiliser le drone pour repérer sur la carte qu'est-ce qu'il y avait. Trésor de grange, tous les petits championnats, les modes drift, etc. Juste en survolant, quoi. Donc je vais voir ce que ça donne après. Et je vais pas gagner de véhicule dans le tirage loterie. Il n'y a pas moyen, je gagne pas de véhicule. Majestueuse Reliant Regal Supervan de 1967 est prête à être récupérée. Ah, bah alors je vais aller chercher la Reliant. Histoire de délirer un peu, voir ce que ça donne. Je l'ai débloqué dans un trésor de grange juste avant. Ils viennent de la faire, de la terminer. On va voir ça ensemble, qu'est-ce que ça donne. Si on arrive à la foutre sur deux roues. Trop court les rapports. Tournez à gauche. Ok. À 400 mètres, tournez dans le champ. À 200 mètres, tournez à droite. Ah, on est où? On est où? Tournez à droite. Ok, l'entrée elle est là. Le frein, il me le faut là. Accède. Votre destination. Ah, il déchire le Polaris.
Le garage, mes voitures, normalement, elle est dans le garage, elle est ouf celle-là. Où qu'elle est? Non. Faut que je la réceptionne alors. Trésor de grange, ok, c'est là. On a 246 que j'ai pas Ce n'est pas récupéré, on n'importe va quel voir dino, ça, c'est découvrir ça ensemble. 246 GT avec le plus gros moteur. Hey, Ok, elle est comme neuve, magnifique. on dirait qu'elle sort de l'usine. Elle Elle sent est même un toute peu neuve. trop le neuf. Ok, ça c'est bon. Et la funny car, Je la petite sais qu'elle n'a que anglaise. 3 roues. Je sais qu'il ne faut que le permis moto pour la La conduire. parole, c'est Je affreux. sais qu'elle se fait martyriser dans plusieurs séries C'est télévisées affreux. britanniques, mais y a rien à faire. J'adore cette voiture. Elle est affreuse. Allez, on va piloter ça. Ah tiens, je vais voir. Niveau amélioration, qu'est-ce qu'il y a dessus? Amélioration. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On n'a pas grand-chose. Ok, niveau visuel. Attendez, attendez, la Reliant avec des jantes de ouf. C'est Nobs. Elle est cela. On va lui laisser les pneus là. La hauteur. Ça, c'est la largeur. Ok. Voilà. Bien affreux comme il faut. Installer le réglage. Yes. On va voir déjà d'origine comment ça donne. Niveau puissance, ça va être de la grosse merde. Je pense que je vais la booster en full. Juste pour délirer avec. Ok, là c'est le start. Non, là je rentre dans le truc, dans le garage. Attendez. Alors c'est ce bouton. Allez, sors de là. Ok, on est là. C'est ça la vue, qu'est-ce que ça nous donne dedans? Ah, c'est vraiment sobre. Oh là 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 là, ça se traîne. Elle part en deux roues, elle se renverse, ouais, elle se renverse direct, elle se renverse. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bon, allez, on va la booster. Peut-être qu'elle va taper des levées. Alors, y accéder. Allez, on y accède. Et voilà les améliorations. Perso, qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a en chaîne moteur? Ok. Elle reste. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ouais, comme dans Top Gear. Là, dans l'émission où il y avait Jeremy Clarkson qui faisait du. Qui testait une Reliant, et pareil, il avait installé cette merde là sur le côté pour plus retourner. N'importe quoi. Les roulettes sur le côté, quoi. Allez. On va lui mettre un petit turbo. Voilà. Les jantes, c'est fait. L'embrayage, la boîte, ça va, ça reste pas trop cher. Les freins, bon, allez, on met tout ça en full. Les suspensions que je vais régler, la Barsta. On enlève un peu de poids. Voilà, 32 000. Un full turbo, un refroidisseur. Je crois qu'on est bon, on a tout installé le réglage, on va voir ce que ça donne. Réglage.
Ok. Ah, pression des pneus. On va la descendre à l'arrière. Je veux juste essayer quelque chose. Ah, là, le rapport, il est vachement long. 282, je pense que ça suffira. Là, ça monte trop, là. Voilà, on est bon. Carrossage avant, il y a une roue, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ouais, d'accord, je peux même pas le modifier. Bah, anti-roulis. Est-ce que je vais augmenter la dureté ou pas? Allez, non. Comme ça, elle se retourne encore plus facilement. Ah, les ressorts, je les ai achetés et je peux pas les modifier. C'est quoi ce délire? J'ai acheté les ressorts d'amortisseur, je peux même pas monter le véhicule. Ok, KO, si vous avez envie de triper avec la Reliant, ça sert à rien du tout d'acheter des amortisseurs vu que tout reste bloqué. Ah, tu vas freiner à l'arrière. Dans l'accélération 90. Et là, on va mettre que ça presque que ça bloque à la décélération. Oui. Je pense quand même que je vais installer les roulettes parce que. Ok. Déjà là, ça envoie du pâté, ça envoie du lourd. C'est du n'importe quoi. À chaque fois, ça c'est la Barsta, ça trop souple. Attendez, je vais aller sur la route, je vais juste voir si elle lève. Je vais regarder, sinon je ferai une vidéo, je regarderai un peu sur le net qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a moyen de la lever la Reliant et je vous mettrai les réglages. Ok, déjà on va faire que ça grippe. Paramètres, difficulté, contrôle de traction. Ok. Ah, c'est trop rigide. Ah, c'est trop rigide. Moindre petit virage, ça se retourne direct, hein. C'est abusé. Allez, retourne-toi! Dommage qu'ils nous ont pas laissé sur ce véhicule la possibilité de le retourner. Parce que là, depuis avant j'essaye, j'ai l'impression qu'elle veut partir, mais elle part pas. Allez, retourne-toi. Allez. Voilà. Enfin bref, on s'en fout. Je verrai ça plus tard. On va continuer le let's play sur le mode histoire. Alors, on va se rendre où? De pub. Allez, on va au coup de pub. Faites demi-tour dès que possible. Tournez à gauche. Ah si, elle se retourne! Elle se retourne! Ok, ben voilà, c'est fun ça. Si on a envie de faire des tonneaux à chaque sortie de virage, voilà, la Reliant. Tournez à droite, à 100 mètres, tournez à gauche. Qu'est-ce qu'on a là? Défi Vous avez collector. Atteint votre destination. Ouais, défi collector. Et deuxième défi collector, le premier défi collector c'était avec. L'Ariel Nomade.
Et là, l'HSV, l'Australienne, normal, vu que l'histoire, elle se passe en Australie. Petit clin d'œil, je pense qu'ils ont voulu faire. Oula, sauter plus loin, c'est quoi ça? Panneau danger, ok, c'est une À cascade. 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Je vais enlever ça. Paramètres. Ok, bon, la mission a commencé. C'est vrai que j'oublie à chaque fois, on peut pas changer les réglages en cours de mission. J'enlèverai À 400 mètres, tournez à droite. l'aide de la stabilité après la mission là. Ah, elle part quand même, hein. Tournez à droite. Ah ouais, elle part quand même. Faites demi-tour dès que possible. À 100 On va mètres, couper tournez à par les gauche. montagnes. Ok, le saut, je pense qu'il va arriver là. Faut que je me place bien. Ok, c'est bon, c'est là. N'importe quoi, ma parole. Oh là là, le Quelques carnage. demi-tours. NC carnage. Allez, 2000 de crédit. Vite fait. Plus de fans, encore plus de fans. Toujours et encore plus de fans. Eh oui. Ah oui, les panneaux. Faudra que je me motive aussi à faire une vidéo sur les panneaux une fois que j'aurai fini le jeu. Parce que ça va être vachement long. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai quand même. Y a pas de souci. Ok. Paramètres, difficulté. Ça, on désactive. On est bon. Et on va se rendre. Coup de pub. Ok, là il y a du nouveau. En bas de la carte, j'ai pas regardé. Est-ce que j'ai tout fait en bas de la carte? Ouais, j'ai tout fait. De toute façon, les panneaux, vous les voyez, hein, panneau de remise voyage, de toute façon, on les voit sur la map. Donc, même de votre côté, il n'y aura pas de soucis, hein. Vous les trouverez. Ah, on va faire le nouveau. Coup de pub non découvert. Ok, on envoie. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Non, c'est bon, je tourne à gauche. T'en fais pas. Vous arriverez à destination. Et un panneau Vous avez XP atteint détruit. votre Ok, c'est quoi destination. ça? Un autre défi collector avec la Lotus. C'est une Lotus si je dis pas de conneries. Ah non. NC. Je me suis trompé. Elle ressemblait de loin. Non, on dirait, hein. On dirait la Lotus. À moins qu'ils ont utilisé la carrosserie, ouais, de la Lotus. Je pense que ça doit être ça. Oh là 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 là. Là, sur ces véhicules, faut les aides, faut l'assistance au la stabilité, à l'accélération. Ok, c'est bon, là, le grip. C'est un radar à passer. 400, j'ai passé la barre des 400. Voilà comment ruiner une caisse.
Ok. Allez, 402. Ok, j'ai pas réussi à cause du mauvais démarrage. Ah, on va y aller tout doux alors. Je vais les avoir ou pas là? C'est bon, je les ai. 408. Ok, on est bon. Next. Ah, la petite cinématique de chargement, franchement, elle est classe, elle est vachement de la luminosité. Les effets d'ombre sur l'eau, franchement c'est super beau. Elle monte à combien la Reliant? On va voir ça. Oula oula, elle veut partir là. Pourtant, ah ouais d'accord. Oh là là, elle décroche même en ligne droite. Ah, étonnant. Tour de dos. Un. Non, pas deux. Deux, trop. Deux. Ok. Deux petits tonneaux. Allez, on va où là? Une épreuve rallye? J'y vais là, dès que possible, j'y vais là. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 100 mètres, tournez à gauche. Pour ceux qui me suivent pour les trésors, les trésors de grange, vous en faites pas. Ils vont arriver. Tous les trésors de grange, je vais les faire. Il n'y a pas de souci de ce côté. Dites-moi aussi si vous voulez me voir plus sur un véhicule type rallye ou alors sur un véhicule type GT, type supercar. Dites-moi-le dans les coms, je le ferai. Peut-être, il n'y a pas moyen, il veut pas péter les panneaux. Je vais devoir faire tout le tour. Ok. Ici. Du mal à aller casser les panneaux, c'est un truc de malade. C'est incontrôlable, incontrôlable. Sans l'assistance, sans l'aide à la... L'antipaténage des roues, le SP quoi, en gros. Dès qu'il s'active, vous avez atteint votre destination. Ça patine de suite. Salut Alpha, tu as découvert assez de tracés pour organiser un championnat. Chaque championnat. Course rapporte des points. Celui qui a le plus de points l'emporte. À toi de jouer. Ok. Ouh, les groupes B, enfin les Pikes Peak, je crois que c'est une Quattro Pikes Peak ça plutôt, hein. C'est au moins non. Non, non, c'est la groupe B, ouais. C'est la groupe B. Il faut que je l'achète. Est-ce que j'ai assez de monnaie à cette crédit? Ok, je peux l'acheter d'origine aussi. Elle coûtera moins cher. 238, celle-là c'est mort. RS200, ouais, pas fan. Elle a S4, mais ça c'est incontrôlable. Elle claque la 037, mais c'est aussi du propu. Propu, ouais, celle-là. La 205, la T16, la française. Ouais, mais celle-là.
200 000, non, je vais prendre la Quattro. La Quattro en 4 roues, 175 000, c'est la moins chère. Alors, on la laisse en rouge. Allez, 175 000. Quattro 85, première 4 roues qui est arrivée sur le marché, je crois. Ils ont fait un bordel, justement. C'est pour ça qu'ils ont fait un bordel en rallye. Première voiture en 4 roues. C'est eux qui ont innové le truc. Je la laisse d'origine ou comment ça se passe? Ou je peux l'améliorer? Ok, le championnat il commence de suite. Donc je l'améliorerai après. T'as un R5 turbo aussi, elle claque bien. Oh putain. Imbattable. On va voir si en mode expert. Non, on va laisser actif, normal, désactif. On va voir si je gère. On va commencer là. Ok, là on est bon, là on est bon. On va voir si je gère. Est-ce que je tiens? Ok, c'est. Il n'y a pas de tour. C'est circuit progression 1.1 et 1.B. Ok, ça pousse en plus. Allez, balance, balance. Ne freine pas, bâtard, va. Ok, on se retrouve sur le terrain privilégié de la Quattro. Ouais, bah c'est fini, la terre. Ah ouais, ils me mettent dans le vent, mais c'est un truc de malade. Faut que je l'améliore. Si je veux monter la difficulté, faut que je l'améliore. Ok, faut que je freine là sur l'épingle. Deux pour cent. Ah, ça tourne sec. Allez, balance. Magnifique. Il faut vraiment la donner dans les tours. Allez, il faut que je rattrape le premier. Il me reste la moitié du chemin à parcourir. Oh putain, ça en aveugle. Le saut en aveugle et le virage qui vient en aveugle. Arrêtez de pousser les gars là. Ah non, moi aussi je pousse, qu'est-ce qu'il y a? Allez, faut que je le pète là, faut que je le pète. Là, faut pas que je fasse l'erreur à l'épingle. Un virage à 90. Encore un virage à 90. Bien sûr, faut passer là-dedans. Non, j'aurais dû la laisser en deux. On y est là, on y est là. L'aspi. Est-ce que je vais le péter dans ce virage? On prend l'aspi. On prend l'aspi. L'aspi. Allez, allez, allez. L'aspi. Mais non, je le pète pas. Fils de chien là. Deuxième place en expert au volant avec l'embrayage. Et j'ai fait de la grosse merde au départ. Mais bon, c'est pas grave, je vais retenter. Alors, oui, je vais recommencer.
On recommence l'épreuve, c'est bon. Je vois le truc. Et on balance. Ah, ils sont chauds en expert, ils sont chauds, hein. Pêche là, on voit la puissance là, putain. Laisse en deux. Pas besoin de taper la une. Mais pousse-toi. Je me trompe à chaque fois dans ce virage. Dans la course d'avant, j'ai fait exactement la même erreur. Bon, j'ai moins de retard là. Non, non, je l'ai eu, je l'ai pas eu. Ouais, je l'ai eu. J'ai eu le point de contrôle. C'est passé juste. On est bon, on est bon. Ok, le virage en aveugle. Je l'ai pas oublié celui-là. Frottement. Il me colle, il me colle. Il est là. Ah, pas la une. Juste derrière, putain. Bon. On est bon, on est bon. Ça y est, c'est fait. Yes. Première place. Un peu amoché quand même. 11 000. Total 175 000, je crois. J'ai vu en bas. Ou alors c'est ce qui me restait. Allez, une voiture. Une voiture. La Lancer, yes. Niveau 10. Non, on va aller l'améliorer. Juste un chouïa. Juste un peu booster ça. Yes, la Quattro. Je vous aurais bien mis la vue. En 360, mais bon, sur le volant, là, je suis en train de tourner le pad. Je sais pas où ça se trouve, elle y est pas. Elle y est pas.
Donc en vue extérieure, il y a juste la caméra de l'arrière du véhicule, la caméra poursuite. Elle est où l'entrée là? Faire tout le tour du festival. Ok, elle est là à l'entrée. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Mais non! Ah là là. Allez, on y est. Et on accède au garage. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre? Je pense déjà que je vais lui taper une boîte perso, histoire de descendre un peu la vitesse de pointe. Garage, amélioration. Ah, il y a le kit carrosserie de la groupe B, je pense. Non, même pas, non. Non, en mode rallye, quoi, avec la rampe de phare. Elle est pas plus large. Il y a le béquet, ouais. Mais c'est pas la celle qu'on voyait sur l'image, je crois que c'est la Quattro Pikes Peak. À moins que je me trompe, mais parce qu'elle me paraissait large. Je sais que la Pikes Peak, elle a le kit large comme ça. Mais je sais qu'il y avait une groupe B aussi avec le kit large. Ah, je laisse la rampe de phare. Vas-y, c'est bon, ils m'ont tout installé. Ils m'ont tout installé. À moins que le capot. Si, si, ils m'ont tout mis. Ok. Là, on est bon. Donc, je disais. Je vais mettre ça. Non, ils n'ont pas tout installé. Ok, le différentiel il y est déjà. Un peu plus de mordant. Mais je crois que c'est avec le kit large, ils m'ont mis en fait. Ils m'ont tout mis. Ouais, ils m'ont tout mis en fait. Quand vous prenez le kit large, ils vous mettent tous les réglages. Ils vous mettent tout en full. Ouais, non, mais je veux pas tout en full, moi. Abandonner le réglage. Amélioration perso. Ah, ouais, d'accord, il me les a déjà installés. Est-ce que je suis en full? Ouais, il m'a mis en full en fait. Ouais, il m'a tout. C'est bon là, elle arrache le terre-terre là, elle est en mode full. Elle va arracher le bitume. Ouais, bah voilà, alors écoutons, on va laisser comme ça. Création et peinture. Est-ce qu'il y a une petite peinture qu'on peut trouver qui a été faite. Comment ça, tu peux pas vérifier mon profil? Mais si, tu peux vérifier mon profil, je suis connecté. Bon, allez, c'est pas grave. On va continuer ça. Là, c'est ça arrache là. Je verrai par la suite les réglages quand
comment elle donne. Ouais, ça freine bien. Il y a du mordant. Ouais, c'est ça. C'est la suite. Non, c'est pas la suite. Je reprends ici. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire start. Start. Où elle est l'épreuve de championnat? On va continuer ça. Championnat actif. C'est ça, je crois. Non, c'est ça. Une autre quoi trop. Ah d'accord, c'est. Oh là là là, je me fie à la route et en fait j'ai juste à regarder le radar. Continuer le championnat. Yes, je prends celle-là. Ouais, trop frais comme elle est équipée. Manque plus que les baquets à l'intérieur. Non, non, c'est bien celle de la quattro du groupe B. Celle avec le gros kit large là, celle qui est devant. C'est pas la Pice Peak. C'est ce qui me semblait. Pousse-toi. Bon, j'ai laissé la difficulté expert, je crois. J'ai rien touché. Elles envoient du lourd aussi, vu que j'ai amélioré le véhicule. Ça s'est fait automatiquement de leur côté. À moins que on leur rattrape quand même facilement. Ok, la course, il n'y a pas de tour, c'est toujours point A, point B. C'est un bonheur hein, la quattro boostée en plus. Oh putain. Ah ouais, c'est vachement dur, je vais assouplir un peu les amortisseurs. Aïe 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 aïe. Dedans, je vais la voir, c'est sûr. Ah putain, voilà, coller l'intérieur là. Il est en train de me mettre dans le vent, purée. Allez, bon, vas-y, on peut recommencer tout de suite en plus, juste sur la ligne d'arrivée. Commencer. On va faire ça bien. Dites-moi dans le commentaire
Quel type de véhicule en mode rallye vous aimez bien? Moi, pour moi, la groupe B, enfin la Quattro de la KT groupe B, franchement, c'est un régal. Là, ils nous ont mis la MG, la 037, l'R5 Turbo, Ford Focus RS, toutes les récentes, les Mitsu, les Sub, les Jap, quoi, les japonaises, les groupes N, un groupe A, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Vas-y, mais. J'aurais plus ta poussière dans la face. Je l'ai passé, je l'ai pas passé, je l'ai pas passé, putain. Ouais, non, mais t'es sérieux là. Elle passait bien au niveau, au milieu des drapeaux, au niveau des points de contrôle. Ce que vous avez vu. Sinon, c'est mort. Vas-y, j'y vais à la barbare. J'y vais à la barbare, je veux passer devant. Vite fait, bien fait. Non, je l'ai encore zappé. Mais oui, je l'ai encore zappé. Purée. Ah, j'avais le rembobinage. Je crois que je l'avais enlevé. C'est bon, là, je l'ai. Là, je l'ai. Pousse-toi la T16. Je l'ai aussi eu. Pousse-toi. C'est bon, je l'ai eu. Se défendre bien en expert, la même erreur qu'avant. Normal, lui il en profite. On a le saut. Moi, je suis bien placé. J'ai cru que j'allais la perdre. Attention, bien passer au milieu. T'inquiète, je ferai pas d'erreur, même je t'entends derrière. Je me presse pas. Mais si je l'ai fait l'erreur. J'aurais dû mettre le retour arrière. Là, j'ai fait de la merde. Pars pas en aquaplaning là. Ok, troisième place. Ouais, on continue. Vas-y, c'est bon, je resterai à troisième, je m'en fous. Peut-être l'installer les pneus cross, les pneus rallye. J'ai pas regardé s'ils étaient installés les pneus terre. Je vais voir ça. Ok, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Ce petit let's play dans l'outback. Et je reprendrai ça sur ma prochaine vidéo. On va continuer ce petit let's play sur Forza Horizon 3. Donc laissez un petit like. Si vous n'avez pas aimé, un don't like. Il n'y a pas de souci. Un petit com.
Abonnez-vous si vous voulez toujours plus de vidéos et voir la suite de Forza Horizon 3 sur Xbox One. Je suis en train de tourner sur la Xbox One. Les trésors de grange, je ferai des petites vidéos en mode drift avec des petits réglages. Je vais voir, je vais fouiller comment ça se passe. Et voilà pour ce qui est de Forza Horizon 3. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis bye.